La question des retraites est au cœur de l'actualité. Sur le plateau de l'émission Chez Jordan, diffusée sur C8 ce vendredi 20 janvier, le prestidigitateur Gérard Majax, 79 ans, a évoqué sa petite retraite. Au micro de Jordan Deluxe, le magicien a soufflé qu'il touchait une pension de 1600 euros par mois. C'est quand même très peu par rapport à la carrière que j'ai faite, a regretté le chouchou d'Emmanuel Macron. Nonobstant sa maigre retraite, la star des années 80 garde le moral. Son secret, il continue de se produire sur scène régulièrement. Je fais beaucoup de spectacles, ma relation avec le public n'a pas changé depuis mes 15-16 ans. S'est réjoui l'ancien pensionnaire du Club Dorothée. Le septuagénaire a certifié, j'adore être sur scène. J'adore faire participer les gens à des sketchs magiques. Supérieur à photo, les punchlines cultes des débats de l'entre-deux-tours j'ai toujours vécu confortablement dans les colonnes d'ici Paris, en mai 2022. Gérard Majax avait déjà évoqué l'état de ses finances. J'ai toujours gagné ma vie et vécu confortablement, avait-il martelé. Interrogé sur la vente aux enchères de ses biens en 2014, le magicien avait affirmé, j'ai fait cette vente, car je ne sais plus où mettre mes objets. Au fil des années, j'en ai accumulé des milliers. En définitive, le prestidigitateur confirme la maxime selon laquelle l'argent ne fait pas le bonheur. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, chez Jordan, C8.